Yo 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 à tous, donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo où je vais vous montrer comment construire cette belle et petite, j'allais dire grande, mais finalement elle est assez petite maison. Elle est sur une base de 6 sur 6, donc je vous retrouve tout de suite dans la vidéo et on va voir ça. A tout de suite. Yo, on va faire une petite maison moderne super sympa aujourd'hui. 6 sur 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, pareil là-bas. L'endroit je le trouve magnifique. La texture pack, je sais plus ce que j'ai, mais je le mettrai dans la description, vous inquiétez pas. En tout cas ça donne vraiment bien l'eau et vraiment sympa, et il y a une sorte de truc bidule là-dedans, vraiment effrayant. Donc on va commencer, on va faire une belle petite maison bien moderne. Donc déjà bon, j'ai pas mal de trucs en bas, mais on va se débarrasser de certains trucs. Par exemple on n'aura pas besoin de ça. On va utiliser du sandstone pour cette paraxy, de la vitre, du bois, ouais. Normalement c'est bon. Donc on va commencer par un extérieur simple. Bon déjà ce que j'ai fait, c'est ici j'ai mis partout donc des planches de bois. Parce que j'avais la flemme de le faire en vidéo. Donc, hop. Déjà ce qui serait sympa c'est de mettre un peu de cobble juste ici. Bon, une sorte d'entrée. Et la porte serait là. Et ça donnerait vers ce magnifique lac et ce paysage sublime avec ce soleil bien rond. Donc niveau cobble, on va commencer simplement. Allez, on va hop. 1, 2, 3, 2, 2, 2. Encore un peut-être, non, oui, non, oui, non. Ouh là là. Ça va, on va mettre notre pilier ici. Hop, hop, hop. Tiens, on pourrait foutre du bois là-dessus. On va avoir une sorte de truc un peu plus classe. Hop, voilà. Ici. Bon, déjà, un truc vraiment important. Pour une baraque, c'est la luminosité, pardon. Donc je vais foutre des glowstone et de la vitre. Hop, 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 beaucoup de vitre. Hop, hop, hop. On va foutre un bout de bois ici. Voilà, ça, ça donne un style un peu spécial. Hop, hop, hop. Bon, ça peut monter peu importe combien. On verra ça après. Je fais juste l'extérieur. Voilà. Donc l'extérieur donnerait ça, un peu moderne quoi, moderne c'est joli. Alors les trucs verts on pourra enlever, c'est surtout pour en fait montrer la taille de la maison. C'est une très petite maison hein, vous le savez. Donc, alors important c'est de, hop, hop, voilà, bon déjà hop 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 hop, on va modifier après tout ça. Oups, pardon, restons dans la limite. Hop, ça va là, alors ça... Ah bah ça j'aime pas déjà. Hop, toi tu pars. Quoique, toi tu restes plutôt. Bon, on verra après. Alors ici qu'est-ce qu'on peut faire? On va mettre une bonne petite base. On va faire notre tour de pilier là. Hop, pareil ici. Alors hop, hop. Bon, ça on s'en fout limite. Hop. On va foutre pas mal de vitres ici. Ça donne un truc classe quoi. Donc ici ça monte, on va pas perdre l'espace, ouais on va pas perdre l'espace, ce sera peut-être... Bon. On verra pour ça, pour ici après. Alors, ici c'est important parce que je veux faire un truc sympa. Bon, je sais, hop hop hop, hop. Fail. Cool là. Hop. 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 Assez spécial. On va monter. Allez, monte. Hop. Bon, je présume que vous n'avez pas besoin d'explications pour Minecraft. Hein. Minecraft, c'est ultra connu. Donc
les escaliers, je les mets à l'envers, ça donne un certain design. Bon, le haut, je vais enlever évidemment, hein. J'ai pas envie que ça monte si haut. Hop, 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 hop. Là, c'est juste pour pouvoir bosser. Alors ici, on va remettre notre cobalt. Voilà, donc, déjà ça donne un truc plus ou moins sympa. Ici, on va foutre du cobalt. Cobalt, cobalt, cobalt. Voilà, on va arrêter pour l'intérieur pour le moment. Quoique, il pourrait foutre une deux belles vitrines ici. Ah merde. Ah bon, j'ai une idée. Hop, 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 hop. Ah non, fail. Ici, c'est du bois. Donc, bon, c'est assez important de bien, bien faire des contours sympas avec du bois. Ça donne beau. Si ça peut vous donner des idées, c'est toujours sympa. Alors, comme ça, comme ça. Hop, ça donne bien moderne, c'est comme j'aime. Hop, voilà. Donc là, on va foutre des escaliers à l'entrée. Ça va être ultra, ultra petit, hein, comme baraque. Oui, réussi. Alors ici on peut foutre un stone slab. Ah, je vais me cogner la tête, mais c'est pas grave. On verra pour ça après. Donc on va faire un deuxième étage. Hein. Voilà, on va faire un deuxième étage ici pour que ce soit... Non, mais ça rentrera pas. Ah bordel. Bon. Changement de plan. Hop, ça va faire un peu moche, mais on n'y peut rien. Alors, c'est très petit, hein, 6 par 6, c'est pas... pas le top, mais bon, on se démerde avec ce qu'on a. Oups, fail. Alors, tu vas là, s'il te plaît. Voilà, non. Bordel. Comme ça. Non. En fait, j'avais bien fait au début. Je suis con, mais c'est pas grave. Alors, on va remettre des escaliers ici. Donc, ça va donner. Ça va monter là-haut. Et là-haut, c'est notre chambre, en gros. Voilà, voilà, voilà. Je vais voir ce que ça donne. Hop, hop. Ok, donc combien de places j'ai en bas là? Ah oui, ok. Donc comme ça, ça va descendre par là. On fera une petite cave bien sympa. Hop, alors. Bon, déjà ici, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ça en couvre parce que c'est moche. Ça, on met là pour égaliser un peu, ça fait plus joli. Voilà, si c'est possible de faire 2-3 déco, c'est toujours la bienvenue. Ce qu'on peut foutre ici, je sais que j'avance un peu, mais c'est un peu de... Un petit chest là, hop, voilà, même deux chest. Ça couvre un peu. Et si on peut foutre de la vitrine, ça fait assez joli. Et on recherche ça donc. Ok, par contre là c'est un epic gros fail. Donc on se pose. Hop, matte block. Voilà. Voilà, ok, donc est-ce qu'il y a moyen de passer comme ça ou pas? Alors si je mets un stone slab. Ah bah non, je passe pas, excellent. Excellent. Alors on arrive ici, c'est le deuxième étage. Bon, déjà on peut faire notre petite extension ici. Hop, hop. Je mets la base, j'enlèverai après, hein. C'est juste pour voir niveau espace ce que j'ai. Alors hop, hop, hop. Alors on va monter par là, hop, on pourrait foutre un lit. Déjà ça, c'est décidé, ce sera vitrine. Encore mieux, j'ai une petite idée vraiment sympa. Ah non, pas ici, mais de ce côté là. Je sais que c'est un peu de la triche, mais ça va faire joli. Hop, 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 hop. Alors, on prend une vitrine. Voilà, on met là. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Oh, ça va, ça donne pas mal.
Et ici, ce qu'on peut faire, donc, c'est... Voilà. Un mini balcon. Hop. Je sais que c'est rien, mais ça donne une vue sublime sur le... sur notre petit lac. Et j'entends un bruit vraiment bizarre, ça doit être un Enderman ou je sais plus quoi. Commence à faire nuit, donc on va passer en time 7-0. Donc ok, on a un petit balcon ici. Alors notre lit, j'aimerais bien qu'il fait face à ce magnifique paysage. Alors ce paysage, on va l'agrandir un peu. Hop. On va foutre un lit ici, qui soit de ce côté là. Comme ça, voilà. Alors ici on peut foutre... non, pas une porte, c'est fail. Hop, une chest ici. Là aussi, enfin non, quoique, on peut foutre une table. Bon, faut... voilà, ça c'est un petit exemple, hein, évidemment. Non, toujours pas. C'est un peu moche. Alors, petite astuce que j'avais vue, je ne sais plus dans quelle vidéo. Et je vais la piquer parce qu'elle est vraiment sympa. Hop. Ah, bordel, non, ça va pas fonctionner. Bon, je dis n'importe quoi. Sinon, un petit classique, un escalier. On va voir ce que ça donne. Faut essayer, faut voir. Non, ça donne n'importe quoi. Ici, on peut... je sais qu'ici, je vais mettre des livres parce que oui. La lecture, c'est bien. Faudrait juste que je trouve les trucs de livres. Hop, voilà, hop, hop, voilà. Peut-être un troisième. Hop. Voilà, donc on va rentrer. Il y aura les livres. Bon, c'est un peu serré, mais il n'y a pas trop de choix. Hein. Je sais même plus. Je sais pas quoi mettre ici, mais je pense qu'on peut laisser comme ça à la limite. On pourrait peut-être mettre un deuxième... Non, là, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Oh bordel. Oh bordel. Bon, tant pis, on fera ça après. Donc on va déjà fermer le toit. Alors le toit, il est complètement dégueulasse. On va sortir ça. Hop, hop, hop. On va faire un truc vraiment classe. Hop. On peut aussi s'amuser avec des jolis... Allez, vol. Vol, papillon. Des stones là, bon. Ça fait toujours très très joli et stylé. Bon, je sais, le toit. Ah bah non, je sais pas en fait, je dis n'importe quoi. J'ai cru qu'il dépassait, mais non, il dépasse par ici, mais c'est pas trop grave. L'important c'est que la baraque soit dedans. Alors on va foutre ça dans l'air, on va voir ce que ça donne en fait. Hop. Bon, il faut pas du tout que ce soit symétrique. Généralement la symétrie sympa, mais bon, y a... c'est pas le mieux. Hein. Hop. Voilà, hop, hop, hop. Hop, et hop. Voilà, qu'est-ce que ça donne comme ça? Ça va, hein, c'est pas si mal que ça. Ça pourrait être bien. Encore une fois, hein, je fais ça comme ça. En fait, je fais ce qui me plaît en gros. Hop, on va couvrir notre petit balcon. Ça peut rester limite, on s'en fout. Voilà. Bon, à partir d'ici, on va voir ce qu'on fait. Non, ça reste. Alors. Qu'est-ce que ça donne? Oh, ça prend forme. Très légèrement, mais par contre ça, c'est moche. Mais j'aime pas ça. J'aime pas quand c'est moche. Non, ça le fait pas. Ça. Elimination. Oh là là, tombe pas bonhomme. Alors hop hop hop, on efface tout ça. On va retenter le coup. Donc en fait la porte complètement failée. Failée. Mot qui n'existe pas, je tiens à le dire. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux. C'est toujours très moche, mais c'est mieux. Oula, doucement madame. Voilà. Et voilà. Ok. Alors. Non et non. Hop. Voilà. Limite ce qu'on peut faire, c'est mettre des livres là. Des vitres là, pardon.